pas vos tours, qu'on a besoin de plus, je suis déjà rentré, je suis Simon de Londres, je suis dit qu'on va tous se tenir, Jean-Baptiste Simon se tenir, moi, parce que je n'avais pas, les gens ne voulaient pas filmer. Et c'était un endroit, la personne qui a son business, elle ne voulait pas exposer son business. Comme ça, on a vu, le direct a été fait à deux fois en qualité. Avant de parler du direct, je veux revenir un peu en arrière. Parce que quand on a fait la paix, vous m'entendez maintenant? Quand on fait la paix, on ne revient plus sur des. Là, vous me suivez. J'aimerais savoir. Pas de son. Oh là là. Je pense avoir le son. Alors, j'ai le volume. Ou déjà, les anti-sorcelleries ont déjà fait voir partie mon volume. Voilà, je sais pas si ça passe déjà. Voilà, ok. Donc, j'étais disant, c'est-à-dire, je m'excuse d'abord si hier je ne vous ai pas fait vivre les événements en direct. Ça a été entrecoupant. Ça veut dire, vous n'avez pas vu toute la partie, l'intégralité de la bagarre. Parce que le moment de bagarrer, la dame qui avait son business n'a pas voulu que le chez elle soit exposé. Pour ça, vous avez vu, ça a été fait en plusieurs morceaux. Mais le plus important, c'est la paix. Quand on dit la paix est une chose très importante. Et quelqu'un qui est un donneur de paix est celui qui doit servir de modèle des âmes. Voilà. Les gens ont dit, oh, tu as dit que tu es un donneur de paix. Ne voudrais pas dire quand tu as un enfant à la maison que tu éduques. Tu ne vas pas le fouetter parce que tu vas refuser de le fouetter tout sous prétexte parce que tu n'aimes pas la violence. Non. Tu le fouettes parce que tu dois le mettre dans le droit chemin. Même le bœuf, là, quand le bœuf essaye de galoper, tu essayes de mieux le fouetter pour le mettre dans le droit chemin. Et dans ça, il faut pas avoir pété. On a besoin parfois d'un désarroi pour installer l'arbre de la paix. Alors, avant d'arriver là-bas, je suis tombé sur deux vidéos aujourd'hui. Depuis là, moi, je regarde pas trop les vidéos parce que j'ai pas le temps. La première vidéo, c'est la vidéo de ce dont avec qui j'ai fait la paix, Tafo. Il m'a fait une vidéo qui m'a tellement choqué. Mais bon, je me suis senti pas, je n'ai pas mal, j'ai pas eu mal, mais j'ai été choqué. Pourquoi? Dans les vidéos de Tafo, il savait qu'il a annoncé à tout le monde entier que j'étais gravement malade. J'étais gravement malade au point où je ne parvenais pas à me lever. Il fallait de l'aide de secours. Il a fait comprendre dans sa vidéo, c'est la raison pourquoi j'ai disparu sur la toile, parce que les ONG m'ont prise en charge. Et je suis en location dans une chambre et autre, nanani, nanana. La seule chose qui m'a choqué, c'est pas le fait que je sois en location, je sois, je ne sais, ou même le fait, ce qui me choque, c'est le fait d'annoncer aux gens, au monde entier, parce que quelqu'un peut t'infecter, on appelle ça, c'est m'infecter la maladie spirituellement. Oui, quelqu'un peut t'infecter la maladie spirituellement. Il n'y a pas que le monde physique ici, il y a le monde spirituel. Ça, dans le monde spirituel, c'est m'injecter une maladie qui n'existe pas. Tu fais sur une toile que Simon de Londres est gravement malade. Hein? Voilà. J'arrive là-bas, Rebecca. J'ai tellement à dire, ne t'inquiète. Ce que je vais te dire, je vais annoncer à ceux dont qui t'ont envoyé, monter. Dans la vie, les cinq doigts de la main ne sont pas pareils. Ça veut dire, Dieu sait comment il guide ses enfants et chacun de son enfant a son don. Son jour de gloire et son jour de désarroi. Comme il y a un jour de malheur, il y a un jour de joie. Il y a une saison sèche, il y a une saison pluvieuse. C'est comme ça que tout marche dans la vie. À ce qui me concerne, moi, le Dieu dont je sers, le Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, ne me laissera pas tomber au bas niveau au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quelqu'un de haineux. Je ne suis pas quelqu'un qui polémique la haine. Je ne suis pas quelqu'un qui est envieux. Alors, quand j'ai ces caractéristiques et j'ai la main sur le cœur, ça veut dire, mon Dieu là ne me laissera jamais tomber. Donc, ça veut dire, même si je pars, je suis en train de chuter, il va me mettre dans un extrême, pas à la profondeur totale. Chacun a sa chance dans la vie. D'autres personnes ont tenté avec des ONG, ça a donné. Moi, je n'ai jamais reçu l'aide d'une association. Je n'ai jamais reçu l'aide sociale dans ma vie. Je n'ai jamais loué une chambre, je ne louerai jamais une chambre dans ma vie. Parce que tu as parlé des trucs. Par exemple, je vends des oranges. C'est bon, c'est bien beau de vendre des oranges. Si j'avais la possibilité,
Je vais vendre vraiment les oranges. Mais j'ai l'air de quelqu'un qui est malade. Quand tu te permets de dire que je suis malade à peine ou je ne peux même pas bouger. Moi, Simon, je suis malade. Dis que Simon, comme vous avez l'habitude de taxer les accusations de le sida, mais venez dire sur la toile que Simon est gravement malade. Il est en train de il parle à il a déjà atteint le niveau final. Mais c'est pas bon. Non, je n'avais pas encore vu. J'ai fait la paix, mais je voulais revenir dessus parce que je sais que beaucoup de personnes, quand on ne connaît pas ta vie, on a besoin de savoir ce que tu fais, d'où tu te trouves. La femme Bassao, je ne sais qui t'a prêté, qui prétend dire qu'elle me connaît, j'ai loué chez elle, je vois. C'est bien beau, si tu peux vendre. Moi, si j'avais la possibilité de vendre des bananes en Europe, les oranges en Europe, c'est une bonne chose. Si ces oranges peuvent me produire du blé, c'est moins c'est un commerce. Je peux être un chef d'entreprise en faisant ma vente des oranges. Je livre des oranges à domicile, je fais des jus d'orange pour vendre. Si je peux avoir cette opportunité, c'est une bénédiction. De vendre des oranges et de vivre. Tu peux être un chef d'entreprise derrière ce business. Ce n'est pas une honte de vendre des oranges. Si moi j'avais cette possibilité, tu m'as donné tant d'idées. Mais en ce qui concerne mon silence depuis ce temps, Simon Hétéro, d'ici, je te raconte encore d'ici un mois, tu sauras pourquoi je suis calme. Tu sauras vraiment pourquoi je suis calme. Je n'aimerais pas qu'on invente des histoires. Je te pardonne, mais il faut que je revienne dessus pour que tu comprennes que les informations qu'on donne dessus des gens ne sont pas du tout vraies. Il faut que tu le comprennes. Et il ne faut pas soigner, taxer de la maladie à quelqu'un quand tu n'as pas l'assurance. Taxer des vaux sida et autres, c'est normal. Mais dire que je suis dans un état agonisant. Imagine ma maman est au Cameroun, elle tombe sur une vidéo pareille. Elle peut avoir un AVC, sachant que elle va se poser la question, mais mon fils est entré dans un état d'agonie à quel moment? Aujourd'hui, on me voit, je n'ai pas l'air de quelqu'un, même qui a eu le mal de tête, le mal de tête. Jamais. Voilà. Je passe. Non, écoutez, dis pas, c'est une vieille vidéo. Moi, je n'avais pas vu ça. Je ne fais pas de ça un problème. Mais il faudrait que j'essaie d'éclaircir cela parce que il s'agit de ma vie. C'est ma vie qu'on expose que je suis malade. Je suis, pas que je suis, j'ai le sida, mais je suis gravement malade. Je suis en phase terminale. Je ne sais pas quoi. Moi, on ne dit pas, il y a des trucs qu'on peut dire. C'est quand quelqu'un monte le matin et dit Simon est mort. Voilà, inventer les histoires comme on a besoin. Et ça, quand on arrive et autres, on te taxe des accusations et autres. Je suis d'accord. Mais dire que on t'a confirmé que je suis dans un lit et dans un coma, voilà. C'est une parenthèse. Maintenant, je viens sur le fait d'hier. La question que je vais poser à tout le monde entier, pourquoi nous sommes remplis de beaucoup de haine? Pourquoi tant de mépris? J'ai compris une chose. La présence fondatrice des gouvernements ou des teams à deux balles, quand elle voit une paix qui veut s'installer quelque part, elle se révolte. Et on en parle, on appelle ça le gouvernement de la paix. Je ne vois pas ce gouvernement de paix. J'ai vu des inepties aujourd'hui dans le direct, dont je ne veux pas citer le nom. Comment tellement ce qui s'est passé hier en Espagne a révolté ce gouvernement. Je vais venir expliquer, je vais vous expliquer simplement ce qui s'est passé hier. Après la conversation que j'ai eue avec vous, où moi on t'avait donné le rendez-vous de venir à 20h30, à 20h30, il n'est pas arrivé. Il a appelé qu'il partait à la police. Moi, j'ai jamais c'est la police, je vais seulement mourir et moi, seulement, on va se battre. Même devant la police, je vais me battre, monter, on va mettre les minutes, donc je vais partir. La femme chez qui j'étais dans son restaurant arrive, parce qu'elle était en déplacement. Voilà, elle commence à me parler. Elle commence à me conseiller. Elle a commencé à m'apporter des conseils. Cependant, avant ça d'abord, je reçois Mini Minor au téléphone. Mini Minor me dit, les problèmes ne sont pas bien entre Tafo et toi. C'est se ridiculiser si tu parles bagarre avec Tafo. Alors, tu as été ami avec Tafo. Tu m'as toujours parlé de Tafo. Je lui ai dit, Tafo n'est pas mon ami. C'est comme un petit frère, comme toi aussi, Mini Minor, tu as un petit frère. Alors, je ne sais pas comment ça a commencé pour que moi, on se retrouve en train de m'insulter. Alors, il me dit, je vais appeler du coup Tafo. Je vais lui demander de venir là-bas. Je lui ai dit ceci.
Voilà, mini, te voilà, mini, non. Appelle ta faute. Pourquoi en venant, il vient bien? Parce qu'il vient très mal. Les dégâts qu'on va le personnel seront très graves. La manière dont tu dis que tu vas appeler. La manière dont on a dit que tu as appelé, tu as appelé, tu as fait ceci. Je ne suis pas là. Il me dit, OK. Quelque temps, quand je causais, donc voilà, donc ta faute qui entre. Du coup, j'étais dans la cuisine. Il entre, il dit bonsoir aux gens qui étaient au salon. La dame chez qui j'étais, la propriétaire du restaurant, me dit, c'est Monté, calme-toi, Simon. Dès que Monté a franchi seulement la porte, je ne lui ai pas donné l'occasion, même l'opportunité. Du coup, je suis tombé sur lui comme une bête féroce. J'ai commencé à l'allumer les coups de poing. Je l'ai porté comme un catcheur, je l'ai tapé, il y avait un guéridon qui était là. C'est en ce moment, la dame en question est venue entrer, son mari et le monde est venu entrer. Donc, je voulais le mietter sur place, je voulais que le sang coule. Lui aussi, il ne s'est pas laissé faire. Hein. Il s'est aussi battu. Voilà, mais il a compris que ma puissance de combat est phénoménale et très supérieure à la sienne. Ce qui a fait en sorte que lui m'a compris, on lui a porté, on lui a fait sortir dehors. On lui a fait sortir dehors. Je suis ressorti, je me suis déshabillé. C'est en ce moment où je m'en commence à supplier qu'on me fasse le direct. Il était en route. Il est parti ramasser un gourdon. J'ai dit, même moi, j'ai pas besoin de gourdon. Il dit, maman, j'ai dit, laisse-le. Laisse-le. Je vais assommer. Monte, je vais finir avec lui. J'ai ressenti que Monte est très léger. Et je ne sais pas pourquoi on fait des problèmes. Moi, franchement, ça ne sert à rien. Imagine dans cette barrière, on se battait. Parce que si je dis qu'il s'est laissé faire, c'est que je mens. Mais je suis choqué. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de piler Monte comme on pile le tapioca. Je voulais le laisser là et commencer à le mietter avec les coups de joue. Je commence à défigurer son visage. Il a compris parce qu'il est venu. Bah, quand il est entré, il est venu avec la force. Moi, Simon, quand je dis quelque chose, je tiens ma parole. J'essaie de voir mon adversaire à distance. J'ai vu monter depuis fort longtemps. Monter. J'ai pesé moi. J'ai monté, ne peut pas faire le poids avec moi. Il faut comme ça quatre comme monter pour que je me dise va faire un combat. Donc j'ai compris que j'ai moi le genre de force que j'avais hier. Je l'ai pour ramasser monter. C'était comme si. J'étais un catcheur. Je lui ai tapé sur le truc là. Les gens m'ont attrapé. J'avais la pression de 7 personnes sur moi qui m'arrêtaient. Le haut qui me gênait, j'ai compris que même le haut là me gênait. Ça peut être un indice pour moi. J'ai envie d'enlever les bijoux que je portais. J'ai retiré le haut sur moi. J'ai enlevé les babouches. Je suis resté avec la petite culotte dont je portais. Même ça voulait déchirer pour rester avec le caleçon. Les gens m'ont calmé. Tout le monde est venu me calmer. Le monde est sorti. On a commencé à le calmer dehors. Le monde m'a, m'a, les gens ont commencé à me parler. Et comme j'ai le respect, je respecte cette dame. Et un jour, on dit, quand les gens te parlent, il faut essayer quand même de prêter l'oreille à écouter ce que les gens te disent. Les gens ont commencé à me parler. Le monde a besoin de faire la paix avec toi et autres. J'ai dit non, je veux qu'ils disent au monde pourquoi lui m'a manqué le respect. Voilà, il a d'ailleurs donné des prétextes. Il a donné des prétextes pour halluciner ses raisons. Voilà. Qui ne tenait pas. Du coup, et lui, on était surpris, peut-être les informations qu'il avait étaient incertaines. Il savait peut-être vraiment que j'étais malade parce que j'ai compris pourquoi il m'a posé cette question, pourquoi tu as maigri. J'ai perdu le poids parce que j'ai une raison pourquoi j'ai perdu le poids. Je suis un régime. Le régime, mon régime, j'ai besoin, je veux garder la forme. J'avais tellement le poids, il a fallu que je garde ma forme. Mais je ne savais pas qu'il me posait cette question parce qu'il avait eu à poster les vidéos auparavant, dans l'Antiquité, que moi, Simon Delon, je suis gravement malade au point de mourir. Donc, après cela, donc maintenant, tellement j'ai du respect pour cette dame et tous les gens qui sont venus là hier, qui me connaissaient. Je suis venu, je suis sorti, on m'a demandé de sortir. Monte m'a pris à la main. Il ne faut pas être animal, il faut quand même être satanique pour ne pas accepter cela. Il m'a dit, il m'a tenu à la main, il m'a dit, excuse-moi mon frère, ça va s'arranger. Je t'ai offensé pour rien. Je te demande pardon. Je lui ai dit, ce pardon ne se passe pas comme ça. Il faut que ça se passe en direct. J'étais en direct, mais c'était pas, je voulais pas attirer l'attention des gens. Voilà. Je lui ai dit, je lui ai posé la question, pourquoi, et pourquoi il a été monté? Qui lui est vraiment monté, devenu me faire des problèmes? Lui que j'ai tendu la main en Espagne. Pourquoi toutes ces insultes? Il a passé le temps à me les verser sur la toile. Il m'a dit, je l'excuse, ça peut arriver. Je suis arrivé, j'ai fait la paix avec. J'ai fait la paix avec Monté. Il a demandé pardon et il a causé avec Perpétue Madiba. Ce qui m'a plu, il a causé avec Perpétue Madiba. Il a dit la paix est une chose très importante. Il a posé avec Achille aussi.
Voilà, il a fait la paix. Il s'en est excusé et on est quitté dessus. Je ne viendrai pas dire ici pour activer la haine que mon témoin a demandé pardon, comme font les gens. Je dirais ceci, on a fait la paix. Il a voulu qu'on ait ça, l'arbre de paix. Et cet arbre de paix, je le lui ai donné, je le lui ai accordé. Voilà. Moi, il ne faut pas que les gens disent que, oh, parce que quand je vais dire, mon témoin a demandé pardon, c'est activer la haine. Non. Il a voulu qu'on installe l'arbre de paix. Et cet arbre de paix a été installé. Il a reconnu ses erreurs. On est quitté dessus. J'ai pardonné Monté et je lui ai dit, je n'aimerais plus jamais qu'il clashe mon nom. Et ça, c'est clair et net. Si Monté vraiment est sincère, honnête, parce que Monté est du genre un peu manipulateur. Je ne vais plus jamais permettre qu'on me manque le respect. Surtout un homme. Mais cette paix, je ne savais pas que la paix, le fait que mon, ça a encore démontré hier que j'ai des démons sur la toile. Je comprends et je confesse. Je comprends et je finis par comprendre je déclare de ma bouche que j'ai des ennemis sur la toile. J'ai des ennemis sur la toile. Ça, je le confirme. Parce que le fait que Monté a fait la paix hier a révolté le gouvernement, je ne sais pas comment on appelle ça, deux balles. Je profite de cette occasion pour passer un message à Monté. Monté, tu es venu en Europe te chercher. Fais ta vidéo. Personne ne peut interdire Facebook à qui que ce soit. Parce que nul n'a créé Facebook pour l'autre. La personne qui a même créé Facebook ne se réjouit pas de ce Facebook. Chacun peut faire son buzz, chacun peut faire sa publicité, chacun peut faire son marketing. Fais ta comédie sans toutefois arrêter les gens. Ne t'y mêle pas à ces problèmes. Si tu tombes là demain après-demain, personne ne viendra t'aider. Quand tu es arrivé en Espagne, Monté, ça va être toi que je causais au téléphone. Ça va être toi que je causais au téléphone. Quand il s'agirait que tu as besoin d'une recharge ou quelque chose, je te le donnais. Je te conseillais comme un petit frère. Je t'avais jamais manqué le respect. Et tu le sais. Étais-tu pris comme un petit frère? Moi et toi, on n'a jamais été amis. Par contre, on parle d'amitié, c'est qu'on a traîné, on n'a jamais traîné. Mais tu es toujours comme un petit frère. Je t'ai considéré, de la même manière, je considère mini-minor. Je n'ai jamais exposé ta vie. Mais arrivé à ce point déjà où tu te trouves en train c'est pas bon de taxer des accusations. Ça ne sera pas seulement avec moi. Quelqu'un d'autre sera rancunier parce que le monde que tu provoques, il faut pas que le clavier, le virtuel ne tremble. Il y a une personnalité derrière le virtuel. Il y a une dame qui m'a rencontré des mains. Elle me dit, waouh, Simon, je pensais que tu étais très court. Alors je fais 1,80 m. Je n'ai jamais été court. Elle me dit, mais quand je te vois sur les directs, on a l'impression que tu es court. Non, je suis jamais un garçon court. Faut pas que le virtuel, le mur du virtuel là, nous trompe. Si vraiment tu dis, comme tu prétends, je sois d'une famille qui est assise, garde la noblesse de cette famille. Mais quand tu t'associes, comme je l'ai si bien dit cela, Minimino, hier, quand tu t'associes à des personnes dont je ne veux pas citer les noms, tu es égaré. Je reviens sur mes pas. Le pardon, quand on a demandé pardon à quelqu'un, ça veut dire qu'on s'abstient à ne plus jamais le provoquer. J'espère que tu ne vas plus jamais me provoquer. Aujourd'hui, donc, il semblerait que cet arbre de paix qui a été installé a révolutionné le gouvernement là. Parce que j'ai vu dans l'un des directs qu'on m'a partagé, cette dame a même fait des grosses mains à Tafo. Et sous prétexte que Tasso est un manipulateur, il accuse Mini Minor. Effectivement, Mini Minor a causé. Moi, Mini Minor, hier, quand je causais, a obtenu son téléphone, il m'a fait comprendre qu'il va appeler Tafo. Alors, si Tafo a dit qu'il a causé à Mini Minor, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Il faudra pas qu'à cause de ce problème, j'ai dit ça à Mini Minor, il faudra pas qu'à cause de ce problème, cette femme-là se retrouve en train de vous attacher. Parce que c'est ce qu'elle a besoin de retourner. Et j'avais deux cibles sur la toile. La première était montée. Il y a une deuxième. Apparemment, lui, c'est un sac d'abeilles. Oui. Mon prochain escale, c'est chez celui-là. J'ai entendu aujourd'hui, on a dit on révolte le gouvernement. Moi, je ne parle plus, j'agis. Donc, celui-là, lui-même se connaît, qui commence à armer ses arrières. Quand je vais mieux me calmer, je finis de faire ce que je vais faire. Je le ferai en direct comme j'ai fait sa montée. Et je vais venir aussi régler son compte. Je vais venir aussi régler son compte.
Parce que j'ai vu le direct là aujourd'hui, je n'ai lancé la guerre à personne, mais cette paix, les gens n'ont pas aimé ça. Juste parce qu'on a besoin de remonter la garde. Je suis un sac de gars et je sais de quoi je suis capable. Dites à cette femme-là que ceux-là ou celle-là qu'elle veut monter contre moi sont tellement phénoménales et très inférieurs par rapport à moi. Pardon, qu'elle cherche encore une autre team, mais pas ceux-là. Parce que pour moi, là, ils sont dans mort. Ceux-là ne peuvent pas le poids avec moi. Ceux-là ne peuvent pas le poids avec moi. Quand je vois d'abord les craquelas et les plancettas de chèvres, là, je ne me vois pas en train de livrer toute une journée, toute une éternité dessus. Mais on ne simplifie jamais la force d'un adversaire. Ce gouvernement, bonsoir Christian de Monaco, ce gouvernement-là, qu'on doit renforcer pour lancer la bombe atomique à Simon Delors. Quand je vais finir avec ma deuxième cible, ça serait la cible de cette femme elle-même. Le moment va arriver que je vais l'atteindre personnellement. Ça ne sera plus de parole, ni du virtuel. Je vais l'atteindre personnellement. Je vais l'atteindre personnellement et les médias vont parler d'une manière ou d'une autre. Je vais l'atteindre personnellement. Je vais l'atteindre personnellement. J'ai compris aujourd'hui dans sa bouche, elle n'était pas contente de ça. Mais elle et moi ne sommes pas amis, on ne sera jamais amis. Peut-être elle rit seulement. Je ne suis pas imbu de la notoriété. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas mendiant et je ne serai jamais mendiant. Moi, je ne manipule pas parce que je suis Bassa. La veine, là, le sang Bassa coule à moi. Elle a dit aujourd'hui qu'on ne sera jamais amis. Pour moi, elle demeurera, elle va demeurer mon pire cauchemar. C'est le pire cauchemar de mon existence en Europe. Pourquoi? À cause d'elle, l'ingéniosité des femmes ont été exposées sur la toile. L'image de la femme africaine a été salie. Cette image a été salie à cause de ça. C'est pour ça que j'ai la haine. Elle a exposé, d'une manière ou d'une autre, les homosexuels. Elle a exposé les femmes qui font leur business dans l'anonymat. Elle les a exposées. Elle a détruit toute une image. C'est pour ça que je la hais. Et pour finir, elle a voulu prendre ma vie pour aller ensorceler, attacher chez des marabouts. Si Marie Laroux peut en faire un témoignage. J'en ai été victime des griffes de cette sorcière. Donc je n'aimerais pas. C'est pour ça que je la hais. À cause de ses actes. Parce que quand tu la parles, il faut qu'elle rentre là-bas. Mais elle a compris que les enfants de Dieu ne les atteignent pas n'importe comment. Donc ma prochaine cible, je dis bien, ma prochaine cible, vous la saurez bientôt. Cette cible se connaît. Mais pour l'instant, je ne fais pas de pub. Je l'accorde sur le temps comme j'ai accordé à tous ceux-là dont je promets. Je ne cours pas. Mais celui-là ou celle-là, ça sera sur les rues de Paris. On va bien se déchirer les grabésiens et on va s'arracher les talons de Lady Gaga. Là, c'est clair et net. Je ne sais pas pourquoi la haine est comme ça. Vous travaillez pour une femme, vous avez installé un travail sans salaire. Pendant que cette bonne dame, cette gourgandine, cette belle de rue, cette péripoufiasse, cette massabatrie, cette traînée de rue passe le temps à faire ses voyages à deux balles. Elle ne pense pas à vous. Vous passez le temps à faire le lèche-botte sur les bas de ses pieds. Mais je comprends, vous faites ça parce que vous tous, vous êtes dans cette association. Donc je ne veux citer le nom que tout le monde connaît sur la toile. C'est cette association, comme elle-même, elle est la reine-mère, la grand-mère et la rombière de chez des rombières de basse classe. Vous en faites partie de toutes ces sauces. Alors, si vous ne vous accrochez pas, où votre marché va, votre couteau va passer. Vous êtes obligé que derrière même ça, les ridicules, les miettes qui restent, elle essaie de vous en donner. C'est pour ça que vous êtes derrière elle. Hein? C'est pour ça que vous êtes derrière elle. Vous voyez une femme. Tellement elle fait l'amour, elle pratique, je ne sais quoi. Les mendiants ont même la tête là. Les mendiants ont rempli la tête. Vous voyez une femme, elle a égaré sa vie depuis. Vous vous accrochez, Pian. Vous avez même le toupet. Vous la vénérez même plus qu'un dieu. Moi, ça m'empêche pas de vénérer la haine. Je n'ai rien contre ça. Hein? Je n'ai rien contre ça. Mais, le temps, moi,
Ceux-là ne vont plus me manquer le respect. Il y a quelqu'un qui a dit, ou quelqu'un qui a dit, je prends la garde et je relève le défi. Je t'accorde le bénéfice du doute et j'en prends acte. Je ne vais pas vociférer, mais je vais prendre le temps et je vais agir. J'ai encore des trucs à faire. Quand je vais terminer, j'adore les gens qui bagarrent avec des couteaux et des machettes. J'aime la bagarre, on appelle ça une bagarre en bangandosa. Il y a des personnes. Et je ne sais pas, je confirme que la sorcellerie existe. Vous n'allez pas me dire, parmi toutes ces femmes-là, une ne s'est pas encore levée pour donner une bonne bastonnade à cette dernière. Mais après, quand je vais terminer, je vais trouver une solution pour elle. Mieux vaut que tu prennes une amende, mais que le monde soit tranquille. Il faut qu'elle prenne une bonne bastonnade. Elle comprenne que, hein, il n'y a pas de King Kong. Elle est là pour activer la haine. Elle est là pour activer le monde. Elle est là pour faire des trucs. C'est pas possible. C'est ça que je voulais dire. Par rapport à cela, ma seconde cible, j'arrive. Je l'ai promis. Je l'avais promis sur la toile, ça fait environ 1 an et demi aujourd'hui. C'était depuis la dernière soirée de Dédé Ponce, où j'ai eu des attaques de balles. J'ai eu la guerre. J'ai compris que les gens veulent me livrer à un combat. Alors, je suis resté tranquille parce que j'avais tellement à faire. Même Dieu ne vénère plus Dieu comme ça. Moi, je m'en fous si on la vénère. Moi, je l'aime pas. J'ai mes raisons à moi. Maintenant, je reviens sur le cas d'une. Il va reprendre à sa vidéo. Moi, ne prends pas crédit. C'est action-réaction. Elle s'appelle la veuve joyeuse. La veuve joyeuse m'a fait une vidéo ce matin. Je ne sais pas quand je faisais ma vidéo. J'ai mal parlé à la veuve joyeuse. Je ne sais pas. Je ne t'ai pas insulté. Mais je vais te dire un truc. Les adversaires se mesurent. Quand tu vois un adversaire de l'autre côté, tu vois l'autre, tu pars mesurer cette personne. Je ne veux pas te donner le privilège de te clasher. Non, parce que tu ne vas, tu, pour moi, tu ne vas pas, tu n'en vaux pas la peine que je te clashe. Pleure ton deuil. Ça fait mal ce que tu as eu. Mais je vais te dire un truc. Moi, ne fais pas de menaces. Et je ne veux pas peur. Tu es qui pour me demander comment je dois tenir mon langage? Dis-moi franchement, toi tu es vraiment qui pour me dire que moi la veuve joyeuse ne me parle pas comme ça? Tu n'as pas d'ordre à me donner ni à me dire comment je dois taxer ou je dois tenir, je dois taxer mes paroles à qui que ce soit. Et s'il te plaît, je pense que j'ai tenu un propos tellement sémantique, je n'ai pas donné une affirmation. Je n'ai pas donné une affirmation sur mon langage. J'ai dit ceci. Quand on est sur des endroits comme les réseaux sociaux, on sait d'où les ennemis se multiplient. Les ennemis se multiplient. Ne voudrais pas dire, je t'ai dit, tu as manqué le soir à ton beau-frère. Ne voudrais pas dire, c'est lui qui a tué ton beau-frère. Évitons de commettre des erreurs. Parce que le langage là qu'on parle, il est très large. Faudra pas que tu veux aussi faire des choses qui vont te porter un préjudice du jour au lendemain. Non. Je ne t'ai jamais tassé. Qu'on a tué ou ton enfant. Je ne sais même pas si toi tu avais un enfant, hein. Mais ce que je vais te corriger, tu as dit, je me suis allié à Lolo Fodja. Je n'aime pas les gens qui sont hypocrites. Quand tu as commencé tes problèmes avec Lolo Fodja, Lolo m'a appelé, j'ai causé avec Lolo. J'ai répondu à Lolo que je ne veux pas m'y mêler. Lolo elle-même a dit, ni, je ne veux pas que tu entres dans ces problèmes entre la veuve joyeuse et moi. J'ai dit, Lolo, je ne vais même pas entrer. Mais si je peux t'apporter un conseil en tant que ton petit frère, laisse le problème là d'aller clasher la veuve joyeuse et autres. Elle était récemment à ton anniversaire. Quelque temps, je t'ai eu au téléphone. J'étais, qu'est-ce qui ne va pas avec Lolo Fodja? On a causé. J'étais que je ne voulais pas les problèmes. Je suis quitté. Tu m'as appelé, tu partais en Suisse. Je ne sais pas où tu partais. Tu m'as dit, tu es en train de préparer un cours. Que je ne dise pas à Lolo. Si j'ai déjà dit à Lolo, demande-lui. C'est maintenant que je te répète ça. Je ne dis pas ce que tu m'avais dit. On a discuté au téléphone. Tu m'as posé la question à savoir, est-ce que Lolo m'a parlé des trucs? Je t'ai dit, quand je cause avec Lolo, Lolo est quelqu'un de direct, ne me parle pas de toi. Alors pour moi, je vous conseillerais de ne pas faire des problèmes.
La preuve en est, tu ne vas pas parce que tu as un problème avec Lolo Fodja que tu m'interdis de marcher avec Lolo. Non. La preuve en est, quand Lolo a commencé à marcher avec Flore, je ne parlais pas avec Flore. Mais cela ne voulait pas dire que. Ça ne voulait pas dire que je dois rejeter Lolo. Non. Cela ne voulait pas dire que je dois rejeter Lolo. Chacun est libre de faire son amitié avec qui il veut sur la toile, avec qui il se sent à l'aise. Tu as dit, c'est parce que tu t'es allé à Flore. C'est ce moment marrant et très écœurant pour vous. La honte, vous avez donné au chien. N'est-ce pas toi qui as insulté cette dame ici sur la toile? Mais il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Moi, je peux pas insulter un ennemi. Je peux faire la paix avec un ennemi, mais il ne peut plus être mon ami. Aujourd'hui, tu la vénères comme si c'était tes garnitures. Tu la vénères, on dirait qu'elle était ton soutien-gorge. Tout ça, quoi? Je vais te dire pourquoi tu le fais. C'est la quête de la notoriété. Et tu devais avoir honte. La honte, vous avez de nos chiens. Je ne t'insulte pas. J'ai tellement de respect pour toi. Mais je n'aimerais pas que tu essaies de faire un mélange ou un amalgame de trucs. Non. Faut pas faire d'amalgame de trucs. Ne dis jamais que je me suis allié à Lolo. Je t'ai jamais clashé. Pendant que je faisais tes folies. Si j'étais le genre de mec qui s'alliait aux gens. Et pendant que je causais avec toi, je n'ai jamais rapporté une de tes conversations à Lolo. Et pendant que je causais avec Lolo, je ne t'ai jamais dit si Lolo, on a causé quelque chose parce que ça m'intéresse pas du tout. La preuve où, quand je suis revenu sur la toile, j'ai trouvé que. J'ai trouvé juste que les problèmes ne sont pas utiles. Et je laisse chacun faire ce qu'il veut. J'élimine mes amitiés avec toi. Mais je ne vais pas regarder ce que tu traites avec Lolo. Si tu t'entretiens avec Lolo, c'est un problème. Je veux, moi, je ne fais pas de clan. Non. Même ma propre soeur perpétue, quand ça ne va pas, je lui dis des vérités. Elle n'a jamais pris le téléphone pour me répondre ou pour m'insulter. Alors, toi qui, pour me dire qu'on ne te parle pas comme ça, je ne te fais pas de problème. Mais si il y a un débat qui clôt sur la toile, je suis libre de donner mon point de vue. Je suis libre d'apporter mon opinion. Mais quand tu te permets aujourd'hui, tu dis que si je te clash, moi, toi, on va ouvrir une place. Je ne vais pas t'accorder cela. Mais si tu veux que je te clash, je vais t'accorder cela. Pas ici. Non, ici, sur la toile, non. Non, même physiquement, j'ai du respect. J'ai dit, des femmes, tu es une mère à moi. Je ne vais jamais t'insulter. Hein? Je ne vais jamais t'insulter parce que j'ai tellement de respect pour toi. Jamais t'insulter. Mais j'essaie de rectifier les trucs. Faut pas que tu dises que. Simon m'a heurté parce que quand quand on était, il y avait des problèmes, il s'est relié à Lolo. Tu voulais qu'il fasse comment? Je ne vais pas clasher Lolo. Non. Ton amitié avec je ne sais qui, ça vous engage. Un homme, Lolo, ne m'avait jamais dit que je ne marche pas avec. Pourquoi? Ça va commencer comment? Non. Si tu trouves que tu marches avec elle, vous vous entendez, tant mieux. Si je ne me sens pas heurté, je vous regarde avec les yeux. Non. Tu me dis que si ça choque aux gens, moi, tous ceux qui sont alliés à celle-là, la preuve en est, je cause toujours avec Mini Minor. Si j'étais le genre, je lui ai rappelé même ça ce matin que c'était le genre, c'est toi-même Mini Minor, je ne te dis plus bonjour. Mais ça ne me sert à rien. Faites l'amitié avec elle, à moi, ce n'est pas l'important. Si toi, tu me dis bonjour et que tu ne me heurtes pas. Si ta faute ne m'aurait pas heurté à m'insultant ou bien en allant au-delà de ce qu'il a fait, je n'aurais jamais cherché. Son amitié, c'est son amitié. C'est clair et net. Nadine Kakano, j'étais bagarré. C'est pas que je battais pour bagarrer, je voulais bagarrer. Plus qu'on a bagarré. Donc, c'est très simple que je voulais te dire. J'ai pas de problème avec toi, mais tu vas m'empêcher de donner mon opinion. Non. Tant que tu es sur la toile, chacun est libre de donner l'opinion. Lève la main, dis-moi que tu n'as jamais donné ton opinion sur une histoire qui ne te concerne pas. Dis-moi que tu n'as jamais donné ton opinion sur ce qui ne te concerne pas. Hein? Donc, c'est ce que je venais te dire. Arrête de me faire des vidéos parce que tu ne peux pas. La même folie que tu as, si je me mets sur la toile, mais j'ai tellement de respect pour toi que je ne vais jamais te répondre. J'ai voulu juste te reprendre pour donner les détails pour que tu comprennes que je t'ai jamais insulté. J'ai donné mon point de vue. Tout le monde a parlé sur ton enfant.
Je t'ai donné aussi mon point de vue, je t'ai encouragé et t'ai donné un conseil. Alors, je t'ai donné un conseil parce que j'ai pas besoin de te donner un conseil en via privé, puisque mon conseil n'était pas d'ordre malsain, c'était pas malsain mon conseil. Je peux prendre avec toi, on n'aura même jamais de problème. Enlève dans ta tête que Simon de Londres est fâché contre moi parce que je me suis rallié à celle-là. C'est votre problème. Mais avec elle, je vais te redemander quand tu es encore venu crier sur la toile. C'est mieux comme tu as dit que tu te reposes. Bon repos pour toi. C'est même pas important que tu parles. Je quitte là-bas. Je reviens maintenant. À vous dire un truc. La soirée s'est très bien passée. J'ai été très bien accueilli à Madrid. J'ai été bien reçu. Mais je suis choqué que nous, les Africains, nous n'aimons pas la paix. Nous manquons cette connaissance de la vie. Nous sommes sur les réseaux sociaux et à la lueur où vont les réseaux sociaux, il y aura des morts d'hommes. Vous, chaque jour, vous êtes connecté sur les directs. Vous voyez ce que cette folle fait. Vous dites que c'est de la comédie. Une femme qui part, elle ne prophétise pas, mais elle fait des aveux sans s'en rendre compte qu'elle fait des aveux. Une femme qui se permet de dire qu'elle n'a pas dormi 3 jours au cimetière, vous dites qu'elle blague alors que c'est sérieux. La folie de cécité, c'est ce qu'on appelle une folie de cécité. C'est ça, la folie de cécité. Ça commence comme ça. Un fou n'est pas seulement celui qui se lève le matin, commence à marcher nu. Vous trouvez normal. Et vous êtes là, vous riez, vous trouvez ça vraiment des. Vous voyez quelqu'un qui pratique du vaudou en pleine journée. Hein? Tu vois quelqu'un qui pratique du vaudou. Je n'ai pas besoin du pouvoir, je suis désolé, ce pouvoir ne m'intéresse pas du tout. Je dis juste les choses comme ça se présente. Tu vois quelqu'un qui a pratiqué sa part de vaudou en plein jour, vous acclamez les mains. Elle part dans des forêts, des montagnes, elle enterre des trucs, elle a des crânes. À la maison, vous prenez ça comme des blagues. Vous prenez ça comme pour vous, c'est de la comédie, alors que c'est la pure réalité. Continuez à rire quand vous voyez des choses qui se produisent chaque jour. Les choses ne font que se produire. Chaque jour, quelqu'un ne fait que vous envoûter, elle ne fait que faire des aveux. Je vous donne que pour avoir des vues. Vous êtes là, vous acclamez les mains. Vous êtes là, vous riez, ça vous plaît énormément. Pour vous, c'est très bon. Vous voyez quelqu'un qui pratique la pure sorcellerie en pleine journée. L'échec ne vient pas loin. Continuez à la regarder. Chaque jour, vous avez des malheurs que vous avez, vous ne savez pas où ça vient. Quelqu'un vous fait des aveux, vous dit qu'elle n'a pas de pouvoir que naturel. Elle a des pouvoirs surnaturels. Et vous pensez que c'est sain. Continuez. Quand les cadavres vont commencer à tomber sur le sol, et ce qui est bon, elle connaît manipuler ses moutons. Elle connaît bien manipuler ses moutons. Et toutes ces personnes qui sont attachées à elle, qui sont alliées à elle, ces personnes aujourd'hui n'ont pas de vie. Toute leur vie est exposée. Elles ont perdu la dignité sur le dehors. Elles ont perdu la dignité. Par contre, tu as souci avec elle, elle n'a qu'une seule chose. Elle invoque les démons pour prendre le don que tu as. Elle invoque les démons pour prendre le don que tu as. C'est ce don qu'elle utilise pour faire le pouvoir de l'autorité. Elle manipule le monde. Elle celle de dompter la domination pour être toujours bien vue. Elle est obligée de dormir dans les cimetières. Continuez-vous jouer avec le serpent. Mais Dieu au contraire. Le monde se pervertit chaque jour. Comme ça qu'elle couche les petites filles pour prendre des chiens, elle. Vous voyez pas que c'est la pure sorcellerie. Hein? Et beaucoup de ceux-là qui sont égarés, qui la suivent comme un mouton. C'est pour cela qu'elle ne fait que propager de la haine. Elle ne va jamais cesser de jeter la haine. Sa vie, ce n'est que la haine et la haine. Toute sa vie, c'est la haine. Quand elle voit que les personnes veulent faire la paix quelque part, elle essaie d'injecter la haine. Elle essaie, c'est une manipulatrice. Elle essaie de retourner les trucs.
contre Jean. Voilà ça la chose, je dirais, dont je veux citer le nom. Elle dit, Mini Minor, c'est un manque de respect que ta foi fait à ton endroit. Il veut déjà te... C'est comme ça qu'elle va commencer. Après, vous allez voir, les deux vont se clasher. Là, elle est d'accord. Elle va s'asseoir. Elle va aller secouer bien ses écorces. Hein? Elle va aller secouer ses écorces. Vous êtes toujours comme ça. Vous voyez quelqu'un chaque jour, elle creuse, elle parle vos noms. Vous restez à la légère. Moi, les trucs comme ça, on va parler. Vous devez faire des captures. La portée pleine, là, ne dormez pas. Faut prier. Je t'enterre au sol, vous dites que c'est des paroles simples. Alors que ce qui sort de la bouche, c'est ce que l'on agit. Vous avez des malheurs et des persécutions chaque jour. Vous voyez quelqu'un, elle enterre des crânes, elle reste avec le chapeau de perpétue. Elle dit, je vais faire des rituels avec. Elle dépose sur les crânes de où, je ne sais pas, les têtes de moi, là, la ramasser. Vous allez vous acclamer, vous riez, vous dites qu'elle est très comique, c'est de la comédie. Alors vous associez à tuer une soeur camerounaise. Elle est là, elle utilise les gens. Si ce n'est pas devenu, tu deviens la reine mère des patouseuses internationales. Ou tu deviens la BOI, la baiseuse internationale, olympique internationale, avec de ça, en abrégé BOI. Quand tu atteins dans le carreau de BOI, BOI, c'est une baiseuse olympique internationale. Quand tu atteins dans ce carreau, ça veut dire que toi déjà, on a fini avec toi. Elle a rangé tous ses filles, les BOI. Et quand elle finit, elle te détruit. Elle te détruit, vous allez vous acclamer. Quelqu'un ne fait que tuer les gens. Prends le chapeau où la sueur de la personne est restée. Allez déposer sur un crâne, vous riez. Vous riez, vous savez ce qu'elle fait, les incantations qu'elle fait dans la nuit? Non. Vous ne savez pas les incantations qu'elle fait, mais pour vous, c'est normal. Quelqu'un, parfois, quand l'esprit de Dieu essaie de combattre les démons qui sont en elle, elle, on l'appelle Lucifer. C'est une légion. Elle est légion. C'est un sac des démons. Et on a besoin même, on va ressusciter le cadavre de Père Meran Hebga. C'est le cadavre là qu'on va ressusciter. On va ressusciter son cadavre. Parce que si on ne ressuscite pas son cadavre, méfiez-vous d'elle. Quand vous dormez là, elle passe le temps à faire des incantations mystiques pour dominer le monde. Faites très attention. Vous qui êtes là, vous pensez que... Posez-vous la question, pourquoi quand tu commences à marcher avec elle, tes affaires ne marchent pas? Quand tu la clashes, tu as l'impression d'avoir tous les problèmes du monde entier. Quand elle te clash, remarquez cela, vous allez dire que Simon de Londres est jaloux. Je vais accepter ma jalousie, mais je ne dis que des vérités. Je ne dis que des vérités. Hein? Je ne dis que des vérités. Quand elle s'attaque à toi, toute la peur là, le mois là, tu as une succession de problèmes. Ou tu deviens paranoïaque, parapala comme ceux-là, ou celle-là, je ne cite pas. Soit si tu étais vendeuse de piment niveau 1, tu vas devenir BOI. Il y a quelque chose souvent de très satanique qui va s'ajouter. Ou voir un jour avec la vie des gens, vous acclamez seulement. Oh, je vais faire ceci, vous riez. Demain, quand elle va tomber malade, vous dites que c'est simple. Alors que quelqu'un pratique sur ce chapeau. Vous êtes là, vous regardez. Continuez. Mais je vais vous dire un truc. Le temps de Dieu n'est pas encore loin. Vous voyez comment ils traitent des gens. Tous ceux-là qui perdent des enfants. Tous ceux-là qui ont des accidents. Les problèmes s'installent dans la vie. C'est elle. Quand tu commences déjà, n'est pas invoqué. Mais Dieu. Là, laisse-moi Valérie Claire. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à dire ça à Nelly Linda. Nelly Linda le sait. Qui est cette traînée dont je ne cite pas le nom? Elle connaît bien. J'ai parlé à Nelly Linda. Pas une, pas deux, pas trois fois. Continuez. Moi, un seul mot, continuez. C'est ce que je venais vous rendre compte. Et sur quoi? Si quelqu'un peut appeler pour dire quelque chose. Nous sommes en train de faire le japap. Chacun est libre d'appeler et parler. Mais ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Dormons que dans les prières.
Dormons que dans les prières, mes sœurs. Dormons que dans les prières. Dormons que sur les prières aussi. Il n'y a que la prière pour combattre le genre de démon là. C'est tout. Le temps de Dieu va bientôt agir sur elle. N'ayez jamais peur de vos ennemis, mais priez, évitez-leur. C'est vraiment très honteux pour elle. C'est très honteux. Bonjour Simon, c'est comment? Bon, bonsoir, comment tu vas? Ah, je suis là, ça va pas mon frère. Hier j'ai clashé la sorcière là. Mon disjoncteur fait que sauter, n'est pas la lumière, maman. Je suis dépassé. Je vous ai dit non. Elle m'a clashé hier. Je vous ai dit non. Quand tu prends cette femme là, il y a un malheur qui t'arrive. Je dis que moi je le sais et je l'ai déjà dit à tout le monde. C'est pour ça que je l'évite moi. Et moi, quand cette fille, Simon, je ne te mens pas, dès qu'elle parle, toi, ou bien tu parles d'elle la nuit, tu as quelque chose. J'ai dit hier, là, on faisait le direct, on s'arrange, on faisait notre petit Japam Nord, avec Général. Toi, disjoncteur, première fois, je remets. Deuxième fois, toi, je remets. On était en plein direct. Hein. Troisième fois, ça n'a plus marché. Donc là, j'attends EDF depuis le matin, ils ne viennent pas. C'est-à-dire que la femme là me montre les feux. Vous parlez quoi? Elle me montre le feu à moi. C'est moi qui ai le témoin vivant de cette femme. Pour un Bangala que je ne vois même pas. Tout simplement parce que la destruction est son mange-pain. Donc elle, tant que tu es heureuse, tu es bien. Tant que tu n'es pas avec elle, tu es heureuse. Ça ne marchera jamais. Entre nous tous là. Si chacun raconte, parce que moi je parle tout. Les autres ne rencontrent pas pour eux ce qui les arrive. Et quand tu la clashes ou quand elle parle de toi, quelque chose, si tu étais pimentière, troisième niveau, tu descends pimentière un niveau. Un niveau. Peut-être les filles, moi je ne ris plus avec elles. Les gens rient. Tout ce qu'elle fait, elle dit que c'est vrai. C'est vrai que nous avons Dieu, chacun prie. Moi je prie, moi jusqu'à. Parce que quand elle fait, j'ai le malheur tout le temps. Ce n'est pas la santé qui va m'attaquer. Donc, déjà que tu ne gardes plus l'argent, tu as seulement... Je vois le genre là. Tu vois le genre que dès que l'argent dans tes mains, un malheur tombe. Ne prononce même son nom. Donc, même poro-poro, même pourri-pourri, tu dis souvent quelque chose sur elle. Tu as quelque chose. Surtout moi. Je te dis que même, surtout moi, elle a mon macabre Simon. La fille a mon macabre, je ne sais pas ce que je lui ai fait dans la vie. Le Bangala que mon mari là, avait nakché la fille là, je ne sais pas. C'est un genre Bangala que je ne comprends pas, qu'il a nak là-bas. Depuis le Bangala, elle va pleurer ça jusqu'à. Pardon, s'il peut même aller là-bas la soulager un peu, elle me laisse. Franchement, moi-même, je lui dis pardon. Il y a même ses soeurs en ligne là. Qui sont en train de te mettre le cœur. Pardon, dis à votre frère d'aller soulager un peu pourri-pourri. On me laisse. Si ça peut soulager ma vie. Et depuis que je le connais. La fille, c'est la pourriture de la nature. Et Simon dit les choses vraies. C'est vrai, nous tous, on a vu. Comment quelqu'un peut aller quelque part? Avec quel genre d'inspiration vous riez? J'enterre, Lolo, j'enterre, je mets la tête. Hey! Elle n'est pas dans les cimetières, elle fait des trucs, vous riez seulement. Vous riez quoi? Hein? Avec le nom de quelqu'un. Les gens ne font que rire, on trouve très fort. Alors que les incantations sont en plein journée. Attends, le Simon, le point, c'est que si au moins il faisait avec. Un nom. Tu vois, par exemple, au lieu de dire Lolo, elle donne un autre nom à Lolo, même que les cartes ont. Non. Tu regardes un peu ses incantations, elle me donne tout ton nom en entier. Chanté Lolo. Chanté Lolo. Chanté Lolo Fodia. Chanté Lolo Fodia. Il va partir. Il n'est plus en place. Si vous pouvez même dire un nom comme elle, tu lui donnes les noms là. Oui. Mais tu sais que quand tu pratiques, il faut donner le vrai nom, non?
Voilà. Effectivement. Et remarquez bien que quand elle pratique à chaque fois, elle donne le vrai nom. Mais quand elle clash, elle donne tous les noms virtuels, bizarres. Effectivement. C'est parce que les gens ne savent pas voir. Vous savez qu'elle a enterré quoi là-bas? Vous savez qu'elle a fait quoi là-bas? Elle a Est-ce fait, qu'elle est montée elle jusqu'à a aimé, l'enterré? elle fait les incantations. Le vampirisme en plein matin. Elle fait le plein vampirisme en plein journée. Les gens C'est sont là, parce la clame des mains. que, Quoi, 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 quoi. je te dis la vérité. Maintenant, ce n'est plus elle qui Oui. dit, c'est Dieu qui a fait tout ça, de nous montrer tout ce qu'elle faisait en cachette. Effectivement. Mais elle ne sait pas que tout ce qu'elle faisait en cachette, l'heure de Dieu a sonné sur elle. L'heure de Dieu a sonné, parce que c'est Dieu qui est en train Vous de dire avez que. parlé ici de Valérie Wompton. Son cas sera plus pire. Vous avez, on va C'est Dieu arrêter qui tout les ça. Vous allez montre. entendre qu'elle est en train Non, d'amasser les mais c'est papiers. déjà là. Vous dites que son cas sera pire comment? Son cas est déjà là. Donc, Dieu a de nous montrer que voilà ce qu'elle faisait sur vous. Comme elle ne veut pas aller au Cameroun, son marabout lui a dit pratique ça en France. Comme tu avais enterré son mère, enterre aussi les autres de la même manière en France. Donc, elle a pratiqué tout ce qu'elle pratiquait quand elle partait au Cameroun. Puisqu'ici, il n'y a pas moyen d'aller au Cameroun ces jours-ci. Donc, elle repratique seulement. Elle repratique ce qu'elle faisait quand elle partait au Cameroun dans les cimetières, dormir, faire les choses, tout, dans Elle l'eau. a fait des aveux. Elle a bien dit qu'elle a fait des aveux, fait sur les 3 jours pour aller prendre le pouvoir de l'autorité. Voilà. Elle dit qu'elle ne veut pas dormir au cimetière. Elle va au cimetière, jette les trucs, elle dépose les noms sur les tombes, elle dort sur la non. Et quand, remarquez bien, quand elle est Elle encore au a tout le cimetière, chapeau. attends, un être humain Elle a tout le normal. chapeau de Si tu es. l'inconfesseur. Déposé sur les Quand crânes, je tu ne es sais quel normal, genre quand tu de es au crâne elle a déposé cimetière, le chapeau la de manière que. l'inconfesseur. On a été coupé la connexion. On a été coupé la connexion. Mon Dieu, parlez, parlez. C'est de trop. Le moment arrivé qu'elle doit descendre. Le moment en train d'arriver. Mais d'abord son gouvernement. Je vais m'occuper personnellement. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Je ne vais pas trop parler. Je sais ce que j'aurai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Oh Lolo, je vais faire ceci. Oh, ça ne vaut pas la peine. Ne m'appelez pas, je suis en direct, pardon. Je vous appelle après. On veut d'abord me signaler. Mais ce n'est pas grave si on me signale. L'essentiel. Qui veut parler? Qui va appeler? Un peu rien faire à compost. Ça ne vous dérange même pas. Elle ne peut pas. Le temps est arrivé. Quand je vais finir ce que j'ai à faire. J'ai donné un second rendez-vous. Quand je vais finir, je vais m'occuper personnellement d'elle. Je lui ai promis. Vous avez compris. Ce qu'elle fait là, elle ne pourra pas. Il y a un Dieu de justice, toujours. Il faut commencer à chercher les plus grands. On va aller reciter le monseigneur Meran Hebga. On va ressusciter les plus grands pasteurs exorcistes. On va ressusciter. On va ressusciter. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, elle veut retourner dans Mini Minor contre Tafou pour que les deux se retrouvent en train de se clasher. C'est ce qu'elle veut faire sur la toile. Elle ne peut rien faire à compresseur. Elle
Est-ce que j'ai besoin de défendre Mini Minor? Je ne défends pas Mini Minor. Il me l'a répondu lui-même. Là, tu n'as pas menti. J'ai agi d'une cause. Il est un grand garçon, c'est normal. Alors, si on veut le déchirer, j'ai fait le travail qu'il fallait qu'on fasse. Je lui ai dit hier au téléphone. C'est qu'elle m'arrange cause très bien avec lui. Hein. Quand je l'appelle, il prend, il m'appelle, on cause. Si on peut retourner juste nos conversations, vous allez comprendre que le virtuel ne nous trompe pas. Mini Minor ne peut jamais me clasher, ne me manquer le respect. Il ne va jamais me manquer le respect, ce Mini Minor. Allez lui demander pourquoi il me clash. Pourquoi il me clash que lui et moi? Ça va arriver d'avoir comment pour qu'il me clash. Depuis que Mini Minor, il peut jouer peut-être aux airs d'un garçon sur moi, mais il ne pourra jamais me clasher. Non, pour Lolo, Lolo m'a fait du bien, c'est normal, Moussa Sow. Je reconnais le bien. Le bien, c'est pas seulement quand on fait des problèmes. Mais quand j'ai eu deuil, Lolo était celle qui était au téléphone avec moi. Elle a participé financièrement, matériellement et moralement. Elle était avec moi au téléphone. Quand j'ai eu des problèmes, Lolo m'a conseillé. Lolo m'a accueilli à Paris. On avait à planifier les plans pour moi. Mais attendez, l'amitié, ce n'est pas seulement quand on est bien. Beyoncé America. Appelez en direct. Appelez en direct. Passez le message. Je vais le faire. La Liliane Beng, ne te dérange même pas. La médaille, ils veulent se retourner contre lui pour rien même. Pour rien. Pour rien. Elle gère les gens. Farrell et Calais, elle gère les gens. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème. Oui, vas-y, maman. Toutou est là-bas. Toutou est là-bas. Elle est partie à Lourdes pour dire qu'elle n'est pas priée. Moi. Allô? Oh là là, c'est parti. Je vous ai dit que ça sort déjà. Moi, Doudou Ngamba, je sais que c'était prié à Lourdes pour aller parler de Doudou Ngamba. Maman, pardon, rappelle, s'il te plaît. La connexion est partie, on a été coupé. Moi, j'ai parlé de Doudou Ngamba. Tu connais Doudou Ngamba où? Voilà. Le pire vampirisme de la femme là. Attends, ma chérie, je te reprends. Maintenant, le nom de Doudou Ngamba qui sort. Oui, il n'y a pas de Doudou Ngamba. Doudou Ngamba était prié ou je ne sais quoi. Je sais parce que voilà ça. Allô? Oui, allô, bonsoir. 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 Comment tu vas? Ça va? Ça va? Quoi de neuf? Non. Je vais te dire soutien total. Je vais te dire soutien total. Soutien total. Parce que ce que tu fais là, c'est très important, je vois. C'est très important, je vois. Effectivement. C'est une Elle nuit à la jeunesse camerounaise. Elle n'a aucun bon conseil pour les jeunes aujourd'hui. Tout ce qu'elle peut faire, c'est montrer les vaudous en live. Parce que tout ce qu'elle fait, là, il y a des gens qui font des blagues. Ils ne font pas des blagues. Il n'a rien de blague. Allez au cimetière et prenons. Donc, ce ne sont pas des blagues, c'est qu'elle fait là. Donc, ces abeilles-là, ce sont des gens qu'elle a aussi enterrés. Effectivement. Ah oui, les gens qui votent quand c'est bon. Ah oui, les gens qui votent quand c'est bon. Pas bien. Pas bien. Effectivement. Oh, la personne est partie, attends. On a été coupé, la connexion dérange. La connexion a été coupée. Oui, Allô? bonsoir. Bonsoir, Simon Delange. Bonsoir, Simon
Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ok, ça me fait plaisir. Oui, je voudrais te féliciter, oui, Simon, parce que tu as montré aux yeux de tout le monde que tu es un homme capable. Parce que un homme, c'est sa parole. Un homme, c'est celui-là qui, quand il est en face des personnes lâches, prend des décisions et agit. Moi, j'étais déjà endormie et j'ai pris la peine de suivre tout en direct. Tout ce qui s'est passé et je te remercie. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, quant à ces pieds de fleurs, je voudrais sensibiliser mes frères camerounais. Les sorciers agissent sur tout le terrain fertile. Alors, quels sont les terrains fertiles? Les réseaux sociaux. Les mariages. L'école, c'est-à-dire sur tout ce qui prospère, tout ce qui regroupe plusieurs personnes. Alors, Fleur de Lille, quand elle fait des directs, 2000 personnes sont connectées. Elle les possède. Ils ne voient pas ses cornes. C'est une sorcière. Elle est possédée et elle possède ses gens. Alors, avant, je suivais ces directs. C'est-à-dire, même quand tu n'apprécies pas ce qu'elle fait, Simon, tu vois, il y a quelque chose. On demande que tu t'éloignes un peu de ton poste sur le récepteur. Les gens ont à peine te suivent à peine. Éloigne-toi juste un peu du poste sur le récepteur. Oui, j'éteins mon téléviseur. C'est pas parce que je suivais sur mon téléviseur et là, je t'appelle sur le téléphone. Bon, je sais pas. Ok, c'est bon maintenant. Oui. Alors, je disais ceci. Fleur de Lille possède des gens. Et avant, je suivais ce direct. Qu'est-ce qui se passait? J'étais captivée par elle. C'est-à-dire, sachant bien que ce qu'elle fait n'est pas bien, qu'elle est mauvaise comme personne, mais j'étais captivée. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Moi, j'aimerais demander à mes frères camerounais et africains de ne plus suivre les directs de cette sorcière. Moi, je suis ces émissions en direct. Et l'impact qu'elle avait quand je suivais souvent ces directs, que je les ai vus. Donc, moi, je recommande à tout le monde de plus suivre les directs de Fleur de Lille. Et de beaucoup prier pour les Camerounais parce que des sorciers comme cette Fleur de Lille, ils sont tellement nombreux et ils veulent faire de la toile le centre de leur possession, leur secte, où ils récupèrent les âmes des gens. Effectivement. Oui. Et c'est ça. Oh là là, la connexion est partie. Relance encore, c'est parti. Éloigne-toi du récepteur. Apparemment, tu as deux téléphones allumés. Vous avez compris, elle passait le message, elle dit, il faut que toute la jeunesse arrête de suivre les directs de Fleur de Lille. Parce que c'est elle qui pervertit la jeunesse. C'est ce qu'elle était en train de dire. Bon, on a été coupé. On a été coupé. C'est le message qu'elle passe. C'est ce qu'elle pense. Et la dame qui parlait de Doudou Engamba, je sais pas ce que j'ai fait avec Doudou Engamba. Où Doudou Engamba était lui faire ses prières, je ne l'ai jamais même commenté. Il faut d'abord qu'on vienne dire, mais je ne sais pas si elle était à Lourdes. Moi, c'est une information que je reçois. Où elle était à Lourdes, elle n'était pas à Lourdes, moi, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas.
Je ne sais pas vraiment. La dame a commencé à parler, elle est partie. Mais je vois pas ce que moi j'ai fait. Je vois pas ce que j'ai fait. Appeler, parler. C'est bon. Oui, attends. Mais viens, je vais t'appeler. Attends, je te cherche. Oui, Simon. Oui, Simon. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est notre connexion, c'est notre qui, doit connexion qui doit déranger. Oui. Alors, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire ceci. Ce que les gens n'ont pas encore compris, regarde un peu dans la vie, on est plus attiré par le mal que par le bien. Parce que le monde est aujourd'hui beaucoup plus possédé par le satanisme. Alors, quand les fans de Flore jubilent parce qu'elle a les 2000 vues, 3000 vues, et toi tu as tes 200 vues, celui qui est éclairci doit comprendre que ce n'est pas ça qui est important. Parce que le diable se dirige souvent dans l'effet de masse. Mais regarde un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, quand ça peut peut-être un accident, au lieu que des gens essayent de sauver les blessés, ils sont intéressés plutôt par faire des vidéos. C'est un peu ce que nous sommes devenus, insensibles à la douleur et à la souffrance. Effectivement. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, les directs où on parle des choses positives, les gens ne sont pas attirés. Les gens ne sont pas attirés. Mais les directs où le diable s'assoit là, il a ses agents. Il a ses agents. Ses agents s'agitent. Ses agents s'agitent. Ils viennent en masse. Ils viennent en masse. Est un démon, Simon de Londres. Simon de Londres. Mais, donnons-nous du temps. Donnons-nous parce du que, temps. Parce que c'est un peu comme Dieu, il agit lentement. La chute de Flore sera catastrophique et destructrice. C'est-à-dire le jour. Oh là là, ça on a été encore coupé. Oh là là. La connexion dérange. Et on dit, apparemment, tu as deux téléphones allumés, il faut éteindre un. Parce que c'est pas la télé qui faisait trop de bruit. Moi, la question que je fais que poser, qu'est-ce que j'ai fait à Doudou Ngamba? Moi, je ne comprends pas de quoi Doudou Ngamba me reproche. Voilà ça qui commence. J'ai fait quoi, Doudou Ngamba? J'ai fait quoi à Doudou Ngamba? Ok, bien, c'est Amérique, le réseau dérange. Ce que je vais faire, on va faire un direct en soirée. Choisissez l'heure, je vais mettre les appels en ligne. Bonsoir. La team de Perpétue, je vais mettre le direct en ligne. On va causer, on va bavarder, comme le réseau dérange. On va bavarder en soirée. Vous-même cherchez une heure en soirée. On va faire le japap. C'est seulement sur elle qu'on va faire le japap. Tout le monde va appeler pour dire quelque chose. Je ne sais pas, Joël Salama, la dame a commencé à dire que Doudou Ngamba a dit que elle était faire des prières à Lourdes, où j'ai dit quoi sur les prières qu'elle était faire à Lourdes. Je n'ai pas compris ce qu'elle disait à la suite. On a été interrompu. Ah, ok. Peut-être j'ai mal compris. Ok, je m'excuse. 21h alors. Bonsoir. Rendez-vous à 21h. Je vais mettre des appels en ligne. Je vais mettre des appels en ligne. Pour ceux qui veulent appeler. À 21h30, à 21h, soyez connectés. On va faire le japap. Attendez, je prends une personne. Les problèmes ne sont même pas bons dans la vie. Moi, je dis toujours ça aux gens. Personne ne m'a jamais compris sur la toile. Personne, je ne suis pas parfait, mais je ne vais jamais accepter que on se retrouve en train d'insulter une femme ou d'exposer à insulter une femme sur la toile. Non. Hein? Mon frère, j'ai essayé de te prendre en direct, ça ne prend pas. Je prends aussi cette dame, ça va essayer.
Donc, ça peut être le problème, ne paye pas. Mais il faut comprendre qu'on a en face une... Elle est très manipulatrice. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Simon? Simon? Oui, bonsoir. Mon petit bébé d'amour. Mon Simon d'amour. Comment tu vas? Ça va? Alors, ce week-end, tu fais comment? Je fais rien de prévu. Je suis rentré de Madrid. J'étais réglé le compte à Madrid. Venir à Paris. Venir à Paris. Invite-moi. Je fais le sac maintenant. Je prends le vol pour Paris. Bah, ce week-end, on aimerait se retrouver tous à Paris. Là. J'attends que le général me donne la confirmation et je te confirme. Comme ça, on passe un week-end tranquille à Paris en patrouille. Ne t'inquiète pas. Exactement, ce moment de programme, je prends le premier vol, ça à Paris, ça à une heure et demie de Paris. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Dès que le général me donne l'accord tout à l'heure, on te met au courant. Tu as ton champagne ici à Paris qui t'attend. Donc, oh, merci tu sais, beaucoup. Je vais t'expliquer non. Un truc. La chute de flore commence par ses abeilles. Tu n'as pas remarqué que c'est ses abeilles qui sont en train de se faire. Effectivement. Voilà. Et ils ne s'en rendent pas compte, ce n'est pas de leur faute. Mini Minor, c'est quelqu'un que je connais très bien. Je n'ai pas besoin de parler. Mais, je vais vous dire quelque chose. Le plus sage dans la team là, c'est Nivakin. Effectivement. Nivakin, qu'est-ce qu'il fait? Nivakin, est pas bête. Il n'est pas bête. Et comme c'est un quoi, on peut l'embarquer dans les tubes, l'embouter facilement là. Effectivement. Donc, lui aussi est prêt. Lui aussi est prêt. Quand il peut se choisir, il connaît comment il fait. Il a les limites. Il cherche lui son argent. Il n'a pas le temps. Dans tout ça, il cherche son argent. Mais les autres sont posés. Il a parlé. Elle est toujours dans les marais, des gens. Elle est toujours comme le mari de quelqu'un part. Elle avait jubilé que Achille est parti. Quand elle est avec toi. Achille n'était pas parti, non. Parce que c'est perpétuel aussi avec Bata. Maintenant, elle a donné menacé qui Fodja, non. Effectivement, elle est Fodja. Le diable agit que pour il y a le bon attitude. Elle n'aime pas voir deux personnes s'aimer. Si on t'aime là, elle va te mettre les malheurs sur ta vie. C'est ça son travail. Donc, deux personnes s'aimer. Je lui ai demandé hier seulement que pardon. Qu'elle laisse mon mari comme il y a fou. Elle a rendu fou. Parce qu'elle s'achète un autre autre. Moi, je connais ce que mon mari vit. Il n'est plus en lui. Quel poids aussi à mon temple, non? Elle prend cadeau. Qu'elle prend même à mon temple, elle manipule un peu le couple. Elle laisse les messages. Elle laisse les coupes des gens. Qu'elle nous laisse vivre notre vie. Mais comment vous voulez qu'elle soit heureuse quand elle n'a pas encore trouvé sa part de compte? Mais c'est nous qui avons à l'offre. Elle n'aime pas. Elle déteste tout le monde. Elle avait dit qu'elle est venue en France vendre le piment. Que les gens que tous les enfants qui doivent venir en France doivent vendre le piment. Que c'est avec le piment qu'on réussit. Nous alors, c'est elle-même qui faisait les discours. Nous, on a fait quoi? Quelqu'un qui se mettait tous les jours à dire que le piment. Il n'y a pas un jour qui passait par le piment. Et elle fait quoi à la jeunesse qu'elle a réussi pour dans sa vie? Et la jeunesse croit que c'est qu'elle a réussi. Les vrais gens qui ont reçu ne se disent pas. Parce qu'ils réfléchissent même que je vais faire comment pour mettre encore mes deux papas là-bas. Je vais faire comment. Elle a quel immeuble? Elle connaît les filles que les immeubles dans la diaspora.
Qu'elle ferme sa gueule et qu'elle aille voir. Qu'elle demande, on lui montre. Il y a des filles qui ont des immeubles dans les quartiers chics. Dans les quartiers chics. Elle parle de quoi? Ça tapis pour les couples qui courent se coller à elle. C'est une fille qui est maudite. Elle est maudite. Et sa malédiction. Je remets pour moi tout ça avec le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te maudis, voici l'autre. Tu dis que ça avait l'autre. Chez les familles, ça avait l'autre qu'on fait. Voici l'autre qui s'en fait devant tout le monde dans le réseau. Au nom puissant de Jésus, je dis que toi, Flore, ta chute est récente. Flore, tout ce que tu as fait dans ma vie, tu vas payer ça 10 000 et plus quoi. Voilà l'eau. L'eau, je te maudis avec. Ça veut ça qu'on maudit chez nous. Bah oui, mais maudit où? Bah oui, mais maudit où? Tout ce que tu as fait dans ma vie, voilà ce que tu as fait. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, Flore. Retour à l'envoyeur. Tout ce que tu veux montrer. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Voilà ça. Amen. Voilà ça. Tout le monde a dit. Bénis toi de lui, bonsoir. Amen. Donc, où tu es là? Tous les gens que tu veux toucher. Retour à l'envoyeur. Où est ma tête? Où est ma tête? Comment fait chez les familles? Vous pouvez le vous verser. Vous verser, vous parler. C'est tout. C'est tout. Elle a détruit la toile. Je dis que les gens disent que mon dos est comme mon dos. Mon mariage était un mariage d'amour. C'est pas mal quelque chose. Les gens ne croient pas. Je suis la seule avec lui-même. On sait qu'on a été touché. Un gars que sa mère pleure tous les jours, que pleure, a gâté mon enfant. Elle prenait la mère de ce garçon. Elle a déjà vu. Elle a déjà vu. Ouais. Un jour, sa mère pleure. Qu'elle sache que elle attaque l'argent. Elle attaque l'argent. Ma part ne vit plus. Ma part a la chance. Tu as la chance. Mais les autres qui vivent là, sache que tu as porté ta malédiction derrière nous. Tu avais jeté un truc sur perpétu. Elle maigrissait ce monde, ne savait pas. Maintenant, c'est sur les autres que tu veux jeter. Moi et toi. Moi et toi. Ma chérie. La sorcellerie ne dure jamais. Elle nourrit les crânes avec les sangs et les mariages des gens. Mais qu'elle sache qu'elle va finir par donner choupi. Choupi là. Il grossit les femmes partout à Lille. Il ne peut pas venir défendre sa mère sur la toile. On laisse les enfants des gens. On laisse Nivakine, on laisse Miniminor. Il a leur âge, non? Merci, René. Choupi a leur âge. Pourquoi il ne vient pas défendre sa mère? Il faut qu'il vienne défendre sa mère. Au lieu de faire la prostitution pour sa mère, il amène les filles partout à Lille. Il a honte de sa mère. Il a honte de laisser. Et c'est les autres qui n'ont pas honte d'elle. Les enfants de tel et de tel et de tel qui n'ont pas honte. Mais même les gars ne peuvent pas réfléchir. Ils ont le même âge que Choupi. Pourquoi Choupi ne vient pas se faire quoi de... Les amis là ne peuvent pas réfléchir. Ils ont fait leur front, nager la Méditerranée là, pour venir ici là faire pour Flore, travailler pour Flore. Gâcher leur vie pour Flore. Donc tout le travail que vous avez fait là-bas au désert. Souffrir, c'était pour venir comme ça gâter votre vie. Mettez à vous rester au désert. Quelqu'un traverse la Méditerranée, il vient sacrifier sa vie sur la toile pour une femme, pour une fille qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est la sorcellerie. Vous ne pouvez pas me dire autre chose. Ils ne vont même pas comprendre. Ils vont comprendre. Parce que leur cerveau est déjà. Oh là là, c'est parti encore. Voilà donc ça, les réalités que nous vivons. Nous avons compris que nous avons quelqu'un qui détruit la toile. On se donne rendez-vous à 21h. Et dès que tu confirmes ton programme, tu me tiens informé. Envoyez-moi vos inbox. Ceux qui ne peuvent pas combattre en direct, envoyez-moi les inbox. Faites les messages. Je vais les lire sans donner dans l'anonymat. Vos messages, je vais les lire en direct. Faites-moi les messages. Passez les messages à la jeunesse, pas à l'anonymat. Je ne donne pas les noms, je lirai les messages dans l'anonymat.
J'attends vos messages. Rendez-vous à 21h. Il y aura des téléphones. On va parler.